Salut mes gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour Mad Games Tycoon 2. J'ai avancé un petit peu depuis le dernier épisode pour pas être rébarbatif. On se retrouve avec 15 millions dans les caisses, c'est plutôt pas mal. Quelques sorties de jeux qui ont été très très prolifiques. Il y en a qui sont sortis des ventes récemment, mais comme vous voyez, Good My Cry, qui est un jeu à 3 millions de bénéfices pour un investissement, je pense, assez modeste. Même si maintenant, avec tous les systèmes de... comment on appelle ça, studio son, studio graphisme, de qualité, assurance qualité, tout ça, ça coûte assez cher. Et j'ai modifié effectivement les bureaux, donc on a toujours notre grande équipe ici avec 7 personnes dedans. Un bureau marketing que j'ai agrandi, si vous vous souvenez bien, il y avait juste un petit bureau ici de service qualité qu'on a déplacé là-bas pour mettre plus de gens dedans. Là, ça n'a pas changé, le service client toujours est peut-être un peu agrandi, mais je ne suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai retravaillé donc le studio graphique son, une deuxième équipe de développement et surtout un service de qualité bien plus important. Mais ce que j'ai envie de faire dans cet épisode, c'est essayer de créer notre chaîne de production que j'ai réussi à débloquer. Et un entrepôt de stockage, je pense qu'il va falloir avec. Car sur la recherche, on est bien. Là, on est en train de développer des jeux de simulation. Mais je me dis, si on peut éditer et produire des choses nous-mêmes, genre peut-être des consoles vidéo, ça serait vraiment pas mal. En plus, on a des jeux qui marchent plutôt bien, qui nous permettent de rentrer de l'argent. Donc, je pense qu'on prend pas un grand risque. Bon, le bâtiment vaut quand même presque 7 millions, 6 millions et demi. Bon, il y a 274 mètres carrés. Ok, mais bon, c'est pas donné. Et je regardais juste à l'instant la chaîne de production, la taille des machines qu'il faut. Elles sont quand même assez balèzes. Mais ça a l'air plutôt pas mal et bien animé. Donc, je me dis, on va faire ça. Je vais pas regarder ce qu'il y avait d'autre. Non, juste des machines. Ok. Et au niveau de l'entrepôt de stockage, c'est surtout des palettes, des étagères. Ok. Et après, un peu de déco, tout ça, tout ça. Ok, on va voir ça. Donc, on va créer ça. On va créer ça. On va créer une usine de production que, après, par la suite, je pense qu'on pourra déplacer dans cet énorme bâtiment. Mais bon, il vaut 95 millions. C'est assez cher. Là, ça doit être ouais, 15 millions, 16 millions. Et là, 53 millions. Donc, on n'y est pas encore. Mais on y arrive tout doucement et je suis plutôt assez content, le jeu vous plaît bien, vous me faites des bons retours, vous êtes là dans les commentaires à faire des bons commentaires en plus, à me donner des astuces ou de ce que vous faites vous de votre côté. Et c'est vraiment fun et j'adore ça partager avec vous. Donc on est parti, je crée donc un petit bâtiment avec salle de repos, tout le tralala, petit accéléré et je vous reprends juste après. Et bien voilà les amis, j'ai créé le petit bâtiment qui est assez énorme. Au final, j'ai beaucoup de vide. Je me dis, c'est peut-être pas un bon délire. On a un ordre de production pour Electronic Arts. On va le prendre, on va voir comment ça se passe. Il faut peut-être du personnel aussi dedans. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. On va regarder ça. Est-ce qu'on a matériel ingénierie, production, programmation? Non. Matériel ingénierie, je dirais. C'est pas terrible du tout, mais on va te prendre toi, Elmi. Allez, soit. Quoi non?
Aucune salle attribuée. Celle-là ? Non ? Ah ah ! Comment ça marche, ça ? Ça marche tout seul ? Ah oui, ça marche tout seul. Mais on va te licencier. Désolé, ma poule, mais... Désolé, on t'a embauché pour rien ? Comment que ça fonctionne ? Ça produit tout seul ? Ok. Il n'y a pas de cadence de production, on va voir ça. Ok. Le truc, c'est que j'aimerais bien produire mes propres consoles de jeu. Mais je ne sais pas comment on fait. Salle de serveur, capture de mouvement. Développement de console. Ouais. Ok, c'est là, c'est de la recherche. Et le truc, c'est que la recherche, pour l'instant, on... je crois qu'on l'avait pas, parce que sinon, je l'aurais débloqué. Donc, tant pis, on va continuer à faire progresser nos jeux. On va mettre à jour, par exemple, celui-ci. Hop. Et toi, tu vas nous faire un développement moteur. Je sais pas si on a des mises à jour dessus. Là, j'avais fait un jeu d'adresse et un jeu d'aventure. Et je crois qu'au niveau d'adresse, on était bon. Et celui pour Advent Aventure, on est bon aussi. Ok. Il est plutôt bien en plus dans les ventes. Donc, on va faire une petite mise à jour. Eux, je crois que ils ont pas... Ouais, non, il n'y a pas de jeu à mettre à jour. Et au niveau son qualité, pareil. On peut avoir des contrats. Un truc que je reproche un peu au jeu, c'est ça. C'est ce micromanagement. Des fois, obligé de cliquer 50 fois sur les bulles pour savoir où on en est. C'est un peu dommage. Et c'est... J'aimerais bien qu'ils arrivent à implanter un système, par exemple, de management où on choisit un chef d'équipe. On lui dit, vas-y, soit t'enchaînes des contrats quand il y en a. Soit tu te débrouilles comme un grand, tu t'essaies de t'occuper comme tu peux, quoi. Parce qu'il y a des choix à faire, ça je suis d'accord et tout, c'est très très bien. Mais là vous voyez, il y a un contrat pour eux, 23 000 quand même, parce que le but du jeu c'est quand même de faire de l'argent et de faire du pognon. Et là en chaîne de production, on a rien, voilà, on a rien. Et là, vendre le stock, ok, on a rien. Alors, est-ce qu'on peut produire un jeu ? Non. Ok, marketing, ils sont sur Grando. Ils sont en train d'essayer de booster les ventes parce que c'est un peu dommage qu'on n'arrive pas à booster les ventes. Ce jeu-là ne marche pas. Voilà, c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent. Au niveau du marché, on est comment là ? Dans 0 semaines. Ah, on change de... Dans pas longtemps de... Voilà, nouvelle tendance, stratégie, science. Très très bon ça. Alors, les équipes aussi, je sais pas si ça a été changé parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques mises à jour. C'est la gestion des groupes. Et un truc tout bête. Ah merde, il est où lui ? Johanna. Où est-ce que j'ai foutu Johanna ? Ça, c'est un peu dommage aussi de pas pouvoir retrouver les employés et savoir où ils sont. Non, c'est peut-être pas là que tu vas, Johanna. Merde, elle est où ? Des fois, c'est un peu galère à retrouver ses employés, à savoir où ils sont. Ouais, mais t'es là en fait, t'es sur le groupe de développement 1. C'est ça qui c'est pas mal, c'est de réussir à aller à renommer ceci. Et je crois qu'on peut pas. Enfin, j'ai pas trouvé de technique. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, évidemment. Donc, on a un groupe qui tient la route quand même avec des conceptions. J'ai essayé de recruter un peu de monde. Et ça nous coûte un bras, hein. Clairement. L'aperçu des employés, ça nous coûte 144 000 mensuels. Ça commence à piquer assez fort. Au niveau du coût qu'on a en permanence. Et on va essayer de développer un jeu vu qu'on a le nouveau thème et genre stratégie. Ok, donc genre principal, stratégie et thème science. Ah ouais, mais stratégie. Alors qu'est-ce qu'on met avec la stratégie ? Donc on va mettre une stratégie jeu de rôle. On va essayer de créer... qu'est-ce qu'on peut créer ? Fog ? Ouais, allez, si tu veux. Genre, on a dit science. Je sais pas si je veux le science débloqué. Je ne suis point sûr. Trouver science. Ah oui, on l'a. Et en thème secondaire, eh bien, science avec... Avec, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qui est pas aimé ? Comédie. Donc on va pas mettre comédie, ça c'est sûr. Par contre, science vampire. Ouais, ça se tient, je pense. Licence, alors les licences, je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça permet de faire. Parce que là on voit qu'il y a 5 jeux dessus. Et si on fait popularité, ok, Pandoram. Ok, ouais, mais les licences, non, je suis pas sûr. Dites-moi si ça vaut le coup dans les commentaires pour ceux qui jouent au jeu.
dites-moi si ça vaut le coup de faire des licences ou pas. 4, 11, non, on va prendre le flouzy. Hein. En plateforme, qu'est-ce qu'on a qui tient pas mal la route? Les personnels computers, ça c'est normal. La Qatari, ok. Ensuite, la Byte 2. Et est-ce qu'il y a des dev kits qui tiennent plus le marché ou pas? Est-ce qu'il y a un truc par de marché? Voilà. 4.2, non, ça vaut pas le coup. 4.2, ça vaut pas le coup. On va mettre la Rodovine. 4.5, ok. Plus difficile temps de développement, ok. Donc là, les développements sont faciles. Et celle-là aussi, pour 3.5. On va essayer de faire un jeu rapide à développer quand même. Pour pas se planter. Oh, protection anti-copie, oui. Ça vaut assez cher. Mais ça dure dans le temps quand même, c'est pas trop mal. Et en game, on a en quoi? On a en stratégie. Ok, on va descendre à 15, on va bien voir. Activer toutes les langues, ok, 155 000, ah, pareil. On va tout activer. Ah, sauf que j'ai pas pris la bonne licence là, taille de jeu, B+, 20, oui, là ça coûte 300 000, ok. Ça coûte un bras à développer les jeux maintenant, c'est assez ouf. Allez, c'est parti, let's go. Et évidemment, pour faire un bon jeu... énervé, on va tout activer en qualité, 100 000, ok, putain, ça coûte un bras maintenant à développer, 160 000, ok, c'est des jeux qui coûtent 500-600 000 à développer à chaque fois maintenant. Ah, Bread Games, meilleure bande son, cool, développeur de l'année, yes, éditeur de l'année, non, jeu de l'année, oui, Grando, jeu de l'année, mais il a des ventes dégueulasses, vous foutez de moi ou quoi les gars? Par contre, jeu de l'année, ok, plus un, ça c'est cool. Donc franchement, je me régale sur le jeu les amis, et en plus il vous plaît, je suis super content, et tant mieux que ça vous fasse plaisir. On va faire une campagne marketing sur Grando qui va arriver, non sur Fog, hop, on va essayer d'amener de l'engouement à la radio. Ok, Fog, il y a pas mal de bugs, il y a une bonne technique, non, on va continuer le développement du produit. Good McFly, ouais, ça nous a coûté 700 000 quand même en développement. Et il nous a rapporté 3,6 millions, donc on va pas se plaindre. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excuse-moi. Est-ce que tu as un contrat, toi? Oui, pareil. J'aime bien leur mettre des contrats, ça rapporte de l'argent, ça les occupe. Tant qu'ils ont rien à faire, c'est plutôt pas mal. Art technologie disponible, compétences, nouvelles recherches, ok. Non, mais maintenant, on va sur la simulation économique. Pour l'instant, les amis. Et je fais pas grossir le bureau de recherche, parce que même si la recherche prend un peu de temps, ça nous coûte déjà assez cher, j'ai pas trop envie. Terminer le développement, ok. On va se mettre en auto-distribution. Oh, comment ça marche ça? Ok, oh là là, 30-40, ok, on va monter les prix. Version dématérialisée, ok, non mais ça on peut pas pour le moment. Collector, ça me paraît bon. Édition standard, ok. Ah, mais c'est ce qu'on rajoute dedans, manuel de jeu. Et on va leur mettre un manuel de jeu coloré, quoi. Quand même. En édition de luxe, ok. Et on va mettre même un jeu de cartes, tu sais quoi. Non. Édition de luxe, non. Par contre, bande originale, non. Porte-clé, non. Pins. On va laisser comme ça, on va voir ce qu'ils nous disent, le jeu. Ok. Figurine collector. Ouais, mais figurine collector, là, ça augmente le coût quand même. Est-ce qu'on peut t'enlever la bande originale par contre? Là on fait plus d'argent que si on met la figurine. Bon, on va laisser comme ça, on va voir ce que nous dit le jeu. Voir dans combien de semaines le jeu sortira-t-il. On va dire une semaine? Deux semaines? Allez, deux semaines. Deux semaines, ok. Ok, il y a un genre et une sur la plateforme. PEGI 0. Ah, j'ai oublié de sélectionner l'âge. Ouais. Ça fait un hit quand même. Ça fait un hit. Le gameplay est pas ouf. Ok, le gameplay est pas ouf. Bon, c'est des choses qui arrivent. Par contre, là, maintenant, toi, ordre de production. Non. Produire un jeu. Oui. Vas-y. Édition standard. Oula. Ah, attendez. 2000, 5000. On va mettre. Allez, 15 000 édition standard. 10 000 de luxe. Et 5000 collector. Est-ce qu'on a eu, on a fait des mises à jour sur Grando? Ouais. Juste une. On va mettre ça. Et pendant ce temps, vous, au lieu d'aller... Hop, vous allez créer un autre jeu. Merveilleux. Nouveau jeu. On repart en stratégie. En jeu de rôle.
thème principal, on va changer, on va mettre agriculture. Qu'est-ce qu'on peut mettre agriculture animaux. Farming, pas de licence. Ok, moteur, on va prendre Advent. Et on va remettre tout comme pareil là, les computers, ça, la Qatari. Et l'Astro 2.7. Ouais, 2.7, allez. On va viser un marché peut-être un peu plus faible, mais c'est pas grave. Et on va... Qu'est-ce qui a pêché? C'était le gameplay. Le gameplay avait pêché sur notre stratégie. Et ah, on va peut-être monter le gameplay et baisser la bande son. Hop, on va voir ça, ouais. On va voir si ça marche comme ça. Ça, c'est bon. Là, on va tout activer comme d'hab. Ah, j'ai encore oublié de changer là. B+. On va pas mettre A parce que c'est 300 000. Ah, les jeux coûtent de plus en plus cher. Hein. Vache. Là, c'est bon, tout y est. Let's go. Ok. C'est parti. Toi, tu vas nous faire du son de haute qualité pour farming. Toi, dessiner. Ah oui, mais ils sont sur des contrats. Ok. On va les rajouter après. C'est pas très grave. Je vais les mieux noter. Ok. Il y en a pas mal à nous quand même dans le top 10. C'est. Bon, en fait, les 6 premiers. Ok. Ça, c'est cool. Par contre, je ne sais pas combien de boîtes on vend par rapport à Fog. C'est-à-dire qu'on a créé des éductions de luxe, standard, etc. Et je ne sais pas. On voit qu'on a du stock. Stock 0. 0 plus 12 000. On a du stock là. Non, c'est pas ça. On a 12 000, ouais, donc on a 12 997 pièces en stock. Ok, donc c'est bon. Pourquoi les ventes ne suivent pas? Édition standard 15 000, deluxe 2400. On reproduit des éditions standard, vous croyez? On va voir si c'est ça. On va mettre, on va faire ça et on va voir si ça suffit à produire. En stock. Ah ouais, on avait plus stock. Ok, on avait plus stock. Mais oui, putain, faut avoir du stock. Faut faire des ventes. Argent, flouze. So Good and Ville. Ok, ça a pas été un super truc. Le DLC payant. D'accord. Farming, ça bosse. Fog, mise à jour. Ok. D'accord. On va faire un petit contrat en attendant. Histoire de vous occuper. Et j'espère que la production est suivie là. Ok. On a du stock. Plateforme bonbon. Hein. Vodio Grando est considéré comme une étape révolutionnaire dans l'industrie du jeu vidéo et a créé une nouvelle tendance. Ah, merde. Plateforme bonbon, c'est une blague. Finissez vite votre contrat, les gars. On va créer un nouveau jeu. Le travail est ok, ça c'est bon. Ah oui, non, pardon. On va continuer à enlever les bugs. Et vous, en attendant, les gars, développez-moi un jeu. Donc on a dit, c'est quoi? Plateforme et bonbon. Plateforme, ok, plateforme, jeu standard, on va mettre en B+ pour tout avoir, et bonbon, ah, plateforme, qu'est-ce qu'on était avec déjà? Merde, je sais plus, jeu d'adresse, genre comme les Mario, ok, bonbon, et qu'est-ce qu'on va mettre? Camion, bunker, box, champignon. Les profondeurs de jeu, convivialité, un peu plus de convivialité. En général, les Mario, c'est toujours sympa, Mario Kart, tout ça. Et jeu coureur fermier occasionnel, non, en général, c'est un peu plus détente, chill, gameplay. Je dirais, non, bande-son, quoique. Gameplay, graphisme, si on fait ça, là comme ça. Mais tout équilibré, 25. On verra bien ce que ça donne. Là, on active tout. 320 000 de développement. Allez, c'est parti. Vous êtes sur farming, les amis. Ok. Crash du jeu vidéo. 50% des jeux vendus. Oh là là. Moins 50, pardon. Oh là 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 là. Ah, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon pour le business du tout. Ah, alors là, on est bon. Champi. Attends, on va essayer de te faire un bon audio. Champi. Viens là. Hop. Graphisme, c'est pas fini. Gameplay, c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Option moteur et fonction de jeu. Ah, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Divers. Triple A. Enfin, double A, pardon. Non, on va éviter pour l'instant. Assistance.
Fonction de jeu, je pense qu'on va aller rusher les fonctions du jeu. Arbre de compétences, support pistolet laser, tutoriel. On va mettre tuto d'abord, c'est assez important les tutos en général dans la base des jeux, tout le monde a des tutos. Champion de vos graphismes a constitué à travailler sur le jeu actuel pendant son temps libre, plus 17 de notes de graphisme. Très très bon ça. Ok, champi, non, correction, continuer le développement, on va corriger les bugs. Vous, cherchez-moi de nouvelles fonctionnalités. Tiens, cycle jour-nuit. Et après, on fera compétences. Là, ça règle les bugs, ça continue à développer. Là, ici, farming aussi, champi aussi. Je sais pas où on peut voir nos stocks qu'on a de copies. Parce que je me dis, si on a plus. On a 23 000 copies, mais si on a. Par exemple, plus de copies de standard. Ben, on produit des versions standard. Par exemple, je sais pas, si on fait ça, ça, et qu'on en produit que 15 000. Allez. Ah non, mais on le voit là, ok. Stock, ouais, ça c'est stock. Donc on a du stock de partout, ok, right. Pas besoin de produire. Le farming, il est sur le point de sortir. Je sais pas ce qui est le plus rentable, de le faire nous-mêmes ou de le faire via un éditeur maintenant. Alors là, c'est bon, farming, il est terminé. C'est quoi le rapport de développement déjà? Ah ah, le progrès 100%. Ok. D'accord. Donc là on est bon. Coût de développement. Oh la vache. Les jeux sont ouf à développer maintenant. Ça coûte tellement cher. Autodistribution, ouais. Ok. On va refaire tout pareil. On va juste augmenter le prix un peu de partout. Tac tac tac. Histoire de gagner un peu plus de flouze quand même. Dans combien de temps il sort? Une semaine. Voilà, let's go. Ah, il y a un peu de concurrence, mais ça devrait aller. Ah, j'ai, à chaque fois, j'ai oublié de sélectionner l'âge. Bon, on arrive à péter un hit quand même. Ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on va dire à toi, vas-y, produit. Farming, on n'a pas de stock. Là, on a des stocks de partout. Donc, tu vas me sortir 50 000 boîtes. En édition de luxe, on va en mettre ouais, 16 000. Et là, on va en mettre 6 000, 8 000. Allez, voilà. Et là, ça nous coûte, ouais, ça nous coûte cher quand même à produire. Champi, ils sont en train de développer le gameplay. Farming, c'est pas trop mal vendu. C'est plutôt, oh, ils se vendent très très bien même. C'est cool, c'est cool. Ah non, pas tant que ça en fait. 3000 ventes à la semaine au démarrage. Et là, sur Glando, un jeu qui est déjà sorti il y a un petit moment, on est à 6000 ventes semaine. Ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Oh, ouais, on va finir les options de jeu et après on fera du développement moteur. On va mettre les graphismes, Et là on a du stock sur un peu tout. Oh, on a plus d'édition standard sur Fog. Ok, alors de l'édition standard sur Fog. On va en mettre combien on en vend? On en vend pas grand chose parce que vu qu'on a plus de boîte, ben on va mettre un truc genre. À 100 000 de création de boîtes, ouais, 29 000 boîtes. Allez, let's go. Sors-nous vite des boîtes. Qu'on soit pas en rupture, quand même, ce serait un peu dommage. Bam! Les ventes, elles sont reparties. Extraordinaire. C'est dommage qu'il n'y ait pas une alerte pour nous dire les stocks sont faibles. Qu'on puisse pas avoir une alerte pour les stocks faibles sur une production de jeu, quoi. C'est un peu dommage. Donc on va faire une auto-distribution. On va continuer. On va augmenter le 1$ de partout. Comme d'hab. Ok. Dans une semaine. Yes. Oh, il y a de plus en plus de concurrence là. Oh la vache. Dans le thème ça va. Mais en concurrence il y a du moins. 94%. Ok, cool. Yes. Nice. Alors faut qu'on produise du stock pour Champi. On va mettre... On va se chauffer, on va mettre... parce que j'en ai marre de revenir, on va mettre 80 000 boîtes. Là, on va mettre... on va mettre 20 000. Ouais, 20 000 boîtes. Et là, on va en mettre 10 000. Parce que je me chauffe un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Là, on est bon, là, on est bon. Et les consoles, j'aimerais bien savoir quand ça débarque, les consoles. Mais je ne sais pas à quel moment on peut les débloquer. C'est... les stocks sont ras la gueule, d'accord. Non, mais on va te faire des étagères alors, mon pote. Hein. C'est où déjà? Non, pas production, c'est stockage. Il est où? Entrepôt stockage.
On va te faire des palettes, hein, pas de problème. Plima Gains, encore, ok, meilleur. On a tout pété Sauf le jeu de l'année, mais non, c'est une blague. Ah si, jeu de l'année, pardon. Non, pire jeu de l'année, on l'a pas eu, mais heureusement, on a tout pété partout. Ça, c'est cool, Champy, Flusing Corp Gaming, ok, Fog. Très très bon ça, très très bon. Très très bon. Par contre, en termes d'usine, on est comment au niveau des stocks là? On a du stock un peu partout, sauf de l'édition standard sur Fog. Sur Fog, on va peut-être en recréer un peu. Peut-être pas 80 000. Non, 0, 0. Et là, on va sortir 20 000 boîtes. Ouais, 19 000, allez, histoire de dire. Et j'espère que c'est plus rentable de le faire nous-mêmes. Je pense que oui. All Primivia, ok. Ok, là c'est bon. La recherche n'est pas encore finie. Le moteur de jeu presque. Est-ce que vous avez un contrat pour vous occuper 5 minutes là? Le temps que ça arrive, que les chercheurs finissent. Ok. J'aimerais vraiment pouvoir faire développement de console quoi. Je pense que là, une fois qu'on a nos consoles, nos propres consoles, ça doit être une dinguerie. Grando, 2,7 millions de bénéfices, c'est pas mal du tout ça. Il y a plus stock, oh merde. Attendez. Où c'est qu'il y a plus stock? Édition standard, Champy et Fog. Oh la loose. Qu'est-ce qui se vend le mieux là? Qu'est-ce qu'il y avait des très très bonnes ventes là? Fog il cartonnait là. Faites-moi ça. Là il y a encore un peu de stock, on va en faire aller 1000. Et là 2000. Et pour la peine... on va rajouter une machine pour aider à produire un peu plus vite, même si ça vaut un bras et demi. Comment on peut le mettre? Comme ça? Allez, on va mettre comme ça. Il y a beaucoup de place, hein, on peut en mettre des machines. Mais au moins, ça produit à une vitesse super rapide. Ok. Donc là, il y a un peu de stock. Maintenant, on va remettre des éditions standard sur Champy. Par contre, pas d'édition de luxe, ça sert à rien. Et pas de collecteur et pas de luxe, ça sert à rien. Il y a du stock. Par contre, là, on va en monter... On va mettre à 30 000 même. Au moins, on sera un peu tranquille. Le temps que ça se vende. Là, produire un jeu. Est-ce qu'on a du stock? On a plus de stock sur Champy. C'est un truc de fou comment il se vend. C'est un truc de barjo. Je sais pas s'il y a une espèce de gestion de l'offre et de la demande. C'est-à-dire, vous créez de la demande, sachant qu'il n'y en a pas d'offre. Donc, à chaque fois, ça explose. Ça explose vos ventes. Vu que les gens demandent le jeu et vous ne le fournissez pas. Donc je sais pas s'il y a ça qui est mis en valeur ou pas. Ah ouais, mais c'est violent. Les stocks de jeux vidéo, c'est n'importe quoi. Là pareil. Ah ouais, là on peut même mettre 8000. Et là on va mettre 60 000. Voilà. Parce que les jeux ils se vendent tellement, c'est nimp. Par contre, c'est super rentable. C'est clair que la chaîne de production, c'est super méga rentable. Ah putain, Champy, il n'y a plus d'édition. Là, il n'y en a plus. On va mettre 4000. Par contre, je pense que de faire en sorte de ne pas avoir d'édition standard, ça vend des éditions de luxe premium, enfin les collecteurs etc., et autres. Et ça doit être foutument rentable. Ouais. Pour être tranquille, les années avancent, les recherches avancent, et ça, c'est plutôt cool. Et je suis assez content de ce système de production qui est sacrément rentable. Il faut juste surveiller en permanence ce qu'on fait. Après, je pourrais mettre en production automatique, mais je sais pas si ça crée en production automatique tout le temps le même jeu, ou si on peut faire en sorte que ça change d'un jeu à l'autre. Ça serait top. Ah, lui, il est terminé. Ok. Et quoi ? Autodistribution, mais bien sûr, mais oui. Bien sûr. Dans une semaine, let's go. Ok. 95, ok. Pour un patch, nickel. Enfin, un patch, ce serait pas un patch normalement, ça devrait être une extension. D'accord, on a du stock sur un peu tout. Notamment Fog, ce serait bien de réussir à finir de l'écouler. Et Fog, on fait plus de ventes. D'accord. Alors, maintenant, le dilemme, c'est comment on sort le jeu du marché? Parce que vu qu'on fait plus de ventes, ça sert à rien. Et comment je fais pour retirer le jeu du marché, bordel? Haha. Mes jeux.
Vente totale, concept, ok. Vente totale, glacier, 1 million de ventes. Ouais, c'est n'importe quoi. Par contre, jeu de filiale, vente totale. Je sais pas comment on fait pour le retirer du marché, les amis. Parce que là, on fait plus de ventes, donc ça sert à rien de le laisser là. Il prend de la place pour rien. Mes jeux, moi j'aurais dit là-dedans, mais apparemment non. Acheter, dev kit, nom, logo, non, c'est pas là. C'est pas là. Alors est-ce qu'il faut retirer le jeu par rapport à si on... Là, est-ce qu'il y a moyen développer, mise à jour, non, c'est pas ça. Ah ah. Comment on fait pour le retirer, l'idée à vente? Assistance, non plus. Là, si on fait annuler tâche, est-ce que toi, tu peux sortir le jeu? Produit dérivé, assistance, non, mais service client, vas-y, continue à répondre au mail. Jeu de combat arrive, ok, mais est-ce que le jeu sort tout seul des ventes à un moment donné quand on fournit plus rien, ou on peut dire non, c'est bon, on arrête de le vendre? Ah ah. Si vous savez, les amis, dites-moi dans, dans les commentaires. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu avec cette nouvelle chaîne de production. J'ai commencé à prendre mon kiff. Et dans le prochain épisode, je fais en sorte de débloquer les consoles de jeux vidéo. Je ne sais pas quand elles arrivent exactement. Je vais essayer de trouver ça sur le web, en quelle date elles arrivent. Ou au moment où la recherche est débloquée, qu'on puisse les produire. Et j'espère pouvoir vous le sortir ce dimanche. D'avoir le temps de jouer dessus pour avancer de mon côté et pouvoir sortir les consoles de jeux vidéo. Sur ce, les amis, pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide à faire progresser la chaîne. Je vous souhaite une bonne semaine, à plus. Ciao, ciao.